Allez, salut tout le monde, c'est Azuric Pérassia, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 374 de notre aventure 100% sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. J'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part les amis, je vais très bien. Souvenez-vous de l'épisode précédent, on s'était tout simplement attaqué au fameux Stell, dans lequel on en avait photographié, pardon, je vais y arriver, 3, et donc on ira les rendre un peu plus tard les amis. Aujourd'hui nous allons nous concentrer sur l'épisode Chill. Oui les amis, il faut quand même qu'on continue un petit peu les noix Korogu, qu'on essaye de battre tous les boss géants, etc. En tout cas tous les boss géants notifiés en bas, hein. On a encore plein de petites choses à faire. Et donc du coup bah, les amis, aujourd'hui nous allons tout simplement commencer. Alors déjà il y a une noix Korogu à côté, donc on va directement y aller, hein. On va directement y aller. Donc là elle est là. Voilà, donc là en fait c'est assez con, c'est juste qu'il faut des pommes. C'est assez débile. Hop, prendre. Donc là, il en faut deux. Oh, le méchant. Are you fucking kidding? Tac. Et voilà. Tu m'as trouvé une noix Korogu, c'est petit à vous donner un Korogu. Ça peut faire 1000 par contre, beaucoup porterait bonheur sans noix Korogu. À la revoyure. Donc c'est bien, on va pouvoir bien améliorer notre inventaire. Donc on va le notifier. Alors il y avait un petit camp à droite, mais on peut le faire. Mais sinon, il y avait ça. Alors j'ai plus si c'était un Stalinox ou pas. Je n'en sais strictement rien. Le problème, c'est que les Stalinox, je m'en souviens plus. Il faudrait que je les notifie autrement parce que. On va aller voir. Et normalement, excusez-moi, normalement, d'ailleurs, je vais faire un truc intéressant. C'est que bon, il faut quand même qu'on commence. Ah non, j'ai rien dit. Non, j'ai rien dit. Autant pour moi, j'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Tac. Je n'ai rien dit. Alors. Allez-vous? Ça, je vous avais déjà affronté si je dis pas de conneries. Oh my god. Ok, c'est un Stalinox. Fuck. Y a pas une petite noix Korogu pour. Pour dire qu'on n'est pas venu là pour rien. Ouais, tant pis. Tant pis, on va aller là du coup. Alors du coup on va quand même affronter un Litorok. Des Litorok aussi. Litorok là par exemple. Alors ça c'est dedans, je crois, il me semble. C'est pas dedans le truc. Pourquoi je l'ai noté? Je crois que ça c'est dedans. Une grotte, mais je sais plus laquelle. Lac de barrage est. Oh là là, c'est la merde. C'est un petit peu la merde. Bon, on va aller. Putain. Bon, on va faire des noix Korogu. On va se taper là. De toute façon, on en a plein autour. Il faut bien faire un truc déjà. Donc. Je sais plus où il est la grotte. Il faudrait que je. Que je vois peut-être dans mes épisodes, mais. Excusez-moi. On est bientôt à 400 noix Korogu, hein. Vraiment, on se rapproche dangereusement de la 400. Alors du coup là-bas il y en a une. Oh. Alors il me semble que normalement, si je dis pas de bêtises, voilà, c'est ça que je voulais. Tac. Bah, c'est bien pour la revente ou quoi que ce soit, donc. Alors, elle est où cette noix Korogu? Pourquoi je l'ai noté là? Je l'ai noté là, c'est qu'il y a une raison. Ah, c'est bon, je l'ai trouvé. Waouh. Tac.
Juste pour savoir si est-ce qu'il y a un truc là-haut. Non, y'a rien là-haut. Non, y'a rien. Allez, let's go. La petite encore au goût. Hop. Putain. Ok. Putain, elle est chaude à chaque fois celle-là. Celle-là. Non, d'une seule, tu m'as trouvé. Il y a encore au goût. Ça pète, il y a besoin d'aider encore au goût. Ça peut faire mille par contre. Beaucoup de portes. Très bonne heure. La revoyure. La revoyure. Allez, ça nous en fait une de plus. Alors, il y en avait une au pied à côté. Donc, on va y aller. Ah, il y a plein d'endroits où qu'on n'a pas encore été. Hein, donc, on a certainement loupé des endroits où il y aurait possiblement des noix Korogu ou quoi que ce soit, même des sanctuaires. Mais écoutez, c'est compliqué. Il y en a encore tellement de choses à vérifier dans le jeu que c'est tendu. En fait, en face, il me dit qu'il y a un truc. Mais je sais pas. Ok, c'est juste un petit truc pour se poser en fait. C'est tout. La petite Nogorogu. Ok. En fait, il faut suivre le courant. Enfin, suivre le truc qui est au sol. Et c'est bon. Nagitsu, tu m'as trouvé une encore au goût. Cette petite là vous a donné encore au goût. Ça peut faire 1000 par 3 bocs. Porterai bonheur à la reveillure, à la reveillure. Et ça nous en fait une de plus. Ça y est, sonné. Attendez. Pourquoi on pourrait aller là? Ok, non, non, il n'y a rien de spécial en fait, j'ai l'impression. Je vais quand même aller vers là, mais non, y a rien. Y a strictement rien. Tech. Ouais, je me dis peut-être par inadvertance, mais non, y a rien. Oh, si. Oh, y a un coffre. Waouh. Quoi là-dedans? Casse-pierre, ok, 9 d'attaque, distance lancée. La force principale de cette arme aujourd'hui corrodée résidait dans son poids considérablement qui a semé à un coup. Elle brise toujours les rochers et permet de creuser les parois. Ok. Bah écoutez, tant mieux. Allez, du coup, c'est fait. Maintenant, on va aller de l'autre côté. Là, droit, il y a la prochaine encore au goût. Excusez-moi, j'ai un petit peu mal à la gorge. En fait, là, vous avez des allergies et tout. Là, enfin, pour vous, vous êtes en été, mais chez moi, on est encore en printemps. Donc, il y a toutes les conneries de pollen, etc. qui arrivent et c'est pas très agréable. Je vous avoue que ce n'est pas très très agréable. Bon, ok, c'est par là-bas. Tac. En fait, du coup, je peux utiliser le casse-pierre, hein, concrètement. Voilà. Alors, du coup... Alors, je sais pas un Korogu amené à son... À son ami. Non, c'est un plus. Ok, on s'était un petit peu écarté, mais c'est là-bas en fait qu'il faut aller. Ok, en fait j'ai peur de louper d'autres noix Korogu. Alors certainement on en a loupé, mais voilà, voilà, passer à côté. Allez go.
Alors. Ah, je me suis bien embêté. Comment je me suis débrouillé pour me retrouver séparé de mon ami? D'accord. Visiblement, il m'attend en faisant des signaux de fumée. Il faudrait que je le rattrape sans tarder. Le problème, c'est que je suis tellement fatigué que je ne peux plus bouger. Alors, si ça, c'est pas pour rien déjà. Come on. Merci. Tac. Voilà. Le petit gouvernail. Tac. Et la petite encore au goût. Merci. Montagne de la mort, pied. Ok. Voilà, j'avais découvert pour que ça me l'annonce comme ça, comme si c'était un nouveau truc. C'est probable. Et voilà, normalement, là, on va pouvoir y aller. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Merde. Ouais, il faut aller assez haut. Tiens bon là-bas, et tiens bon le vent, il fait haut. Ton piano. Mmh. 400 tonneaux, je suis fier d'y être matelot. Ah bah ouais, on arrive à destination. Tac. Alors. Parfait. Merci d'avoir amené mon ami, tiens c'est pour toi. Donne encore au goût, ça peut te dire, vous avez donné encore au goût, ça peut faire 1000 par entre beaucoup, porterait bonheur. À la revoyure, à la revoyure. Allez hop, c'est noté. Du coup, le prochain. Alors on en a plein là, par exemple, des noix encore au goût, donc ça serait bien de les faire. Donc on va se les faire tout simplement. On va se les faire. C'est vrai qu'à droite, il faudrait visiter les îles à droite. Putain, on a tellement de choses. On a trop de choses à faire, en fait. On a un peu trop beaucoup de choses à mon goût, mais bon. Alors, avant d'aller l'endroit où on en a vu une potentiellement, on va tout simplement aller là-bas, parce que là-bas, il y a un endroit, souvenez-vous, avec le Littoroc, qu'on n'avait pas eu le temps la fois dernière. Donc, on va quand même y aller. Alors quand même, il me notifie un peu tôt. C'est peut-être là où il y a un endroit où il y avait plein d'arbres. Tech. Enfin, très attention parce que je crois qu'on a une lune de sang, donc ça peut respawn. Hein. Et elle est là. Alors, du coup. Ok, une encore vous. Ok, ça va être caché derrière. Ok, ça va être un petit peu le côté cache hide and seek. Ok. Et voilà. Original comme noix Korogu. Non, Nixay, tu m'as trouvé noix Korogu. C'est petit, ça vous a donné un Korogu. Ça peut faire 1000 par contre beaucoup. Porter bonheur, à l'envahure, à l'envahure. Allez, on note. On enlève. Alors, ça avait sonné là-bas, hein, proche de ces arbres-là. Alors certainement il doit y en avoir une là-dedans. Eh hey, regardez. Ok. Ah putain, t'es sérieux? Ça faisait longtemps tiens. Tac. Il est pas tranquille dans ce jeu. Ok, en fait j'ai l'impression que... Ok, tout amène sur cet arbre là. Donc c'est à dire à mon avis il faudra monter
en haut de cet arbre pour l'avoir. Est-ce que c'est ça? Et ben voilà, c'était bien ça. Non, Dixie, tu m'as trouvé une encore au goût, cette petite âme t'a donné encore. Goût, ça peut faire 1000 peintres, beaucoup porterait bonheur, la voyure, la voyure. Alors, si j'ai noté un truc là, ça veut dire qu'il y en a certainement une là. Ou pas. Oui, il y en a une là, mais où? Ah, ok, d'accord, c'est une encore au goût comme ça. Hé hé. Non, Dixie, tu m'as trouvé une encore au goût, cette petite âme t'a donné encore au goût, ça peut faire 1000 peintres, beaucoup porterait bonheur, à la voyure, à la voyure. Bon, bah écoutez. On avance hein, progressivement. Toutes les fleurs de la sérénité. Tac. Bon, au moins ça c'est fait. Alors là, mais il y a aussi quelques arbres. Je veux juste savoir si par hasard, est-ce qu'il n'y en aurait pas une. Vous avez vu? C'est bizarre comme endroit, ça. Ah, si ça sonne, donc c'est certainement ça. Ah bah, ok, c'est une planche à remettre, en fait. C'est une planche à remettre. Tac. C'est bon. On les enchaîne. Non, Dixie, tu m'as trouvé une noix encore au goût. Cette petite noix vous a donné encore au goût. Ça peut faire 1000 portes. Beaucoup porteraient bonheur. À la revoyure, à la revoyure. Bon, bah écoutez, je suis en train de voir que là il nous reste que plus beaucoup de temps. Le seul souci, c'est qu'on n'aura pas le temps d'aller faire le truc que je voulais pour rendre les stèles. Donc écoutez, on va continuer en termes de noix encore au goût. Il nous en manque plus que deux, genre là. Donc on va aller au-dessus du truc, voilà, on va aller au-dessus, dans la forteresse d'Akala. Bon, ça s'enchaîne plutôt bien. C'est vrai qu'il faudrait aller voir les îles à droite, je le dis tout le temps, mais on n'a jamais été dans Breath of the Wild, on n'a jamais été dans ce jeu-là, donc il faudrait peut-être visiter. On est à 379, mais encore au goût quand même. Hein. Bientôt les 400, la 400aine, ça serait ouf. Et dire qu'on n'est même pas à la moitié. Dire qu'on n'est même pas à la moitié alors que j'ai l'impression d'être... d'être arrivé assez loin, quoi. Ok, donc c'est là-bas qu'il faut aller. Ouais, là-bas. Tac. Oh, un litoral fortifié, vous voyez. On l'a jamais noté, remplacé. Ah, il y a une encore au goût là, d'accord, tant mieux. Elle m'a attiré l'œil cette zone pour l'unique et bonne raison que c'était un peu surlevé, il y avait que 3 arbres. Vu que c'est sur une au-dessus d'une montagne, je me suis dit peut-être. Non, Dixie, tu m'as trouvé une encore au goût, cette petite vous a donné encore au goût, ça peut faire hormis de peintre, beaucoup porterait bonheur, à la réveillure, à la réveillure. Là, c'est la récolte en masse des noix encore au goût. Hein. Donc, il est censé y en avoir une. Là-bas, ok, bon, du coup, il y a des flèches, donc on en a une certainement là. Au-dessus, certainement là. Voilà, parce que des flèches nous amenaient tous ici. Non, Dixie, tu m'as trouvé une encore au goût, cette petite nappe, t'as donné encore. Goût, c'est pas faire 1000 par contre, pas beaucoup. Portrait bonheur, à la revoyure, à la revoyure. Ouais, ben dis donc. Ça s'enchaîne plutôt bien, on en a une en bas. Voilà, ça, on commence à avoir l'habitude. Oh, je sais ce qu'il faut faire. Ça, regardez, si mettre un rocher là, c'est pas pour rien. Tu fais ça et tu fais ça, et voilà. faut faire le contrepoids. Non, Dixie, tu m'as trouvé une noix encore au goût. Cette petite âme, ça donné encore au goût. Ça peut faire 1000 peintres, beaucoup porterait bonheur. La réveillure, la réveillure. Bien, bah écoutez, on va pouvoir s'arrêter là pour cet épisode du coup numéro 374 de notre aventure 100% sur The Legend of Zelda.
Tears of the Kingdom. Dans l'épisode prochain, on continue l'épisode chill dans lequel on ira s'attaquer à d'autres noix Korogu. Voilà, vous avez vu, on en a noté plein. On a noté quelques coffres, donc c'est certainement des camps ou quoi que ce soit. Donc on ira les faire également. Donc voilà, donc là on a noté un truc. Donc à mon avis, ici c'est peut-être pour une grotte ou quoi. Donc voilà, on essaiera de faire un maximum de choses tout simplement dans l'épisode prochain. Et merci en tout cas de m'avoir suivi pour cet épisode. Et on se dit à l'épisode 375. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey, peace!